Salut, je m'appelle Léa Fernandez, je suis en stage chez Potiche Productions en tant que journaliste. Je fais beaucoup d'enquêtes, on me donne un sujet, je fais des recherches sur ce sujet, je contacte les témoins et les personnes aptes à me parler de ce sujet. J'apprends à bien hiérarchiser les informations, à trouver des personnes cibles, des témoins précis et j'assiste à plusieurs tournages, notamment pour Opération Renaissance et pour le documentaire Braqueur. Léa, elle a une vraie volonté, elle se bouge en fait. Elle a plein d'initiatives et force de proposition, elle a plein d'idées. Là aujourd'hui, elle nous a appris qu'elle avait réussi à faire publier un article, donc c'est top, c'est vachement bien. Elle a plein de projets, elle s'est super bien intégrée à l'équipe. Je pense qu'elle a dû apprendre plein de choses intéressantes à l'EFJ vu qu'on est content de son travail. Elle est complètement préparée, en tout cas pour les missions qu'on souhaite, qu'on lui demande, et elle les remplit très bien. Le plurimédia, pour moi, c'est vraiment indispensable aujourd'hui parce que les téléspectateurs, ils sont habitués avec YouTube et tout à avoir peut-être une émission où ça va très vite et il n'y a pas la même qualité qui était quasi du cinéma quand j'ai commencé. C'est important maintenant qu'il y ait des jeunes qui viennent et qui savent écrire, tourner, monter. Je suis contente de mes études à l'EFJ, ça m'a appris beaucoup de choses. On fait du technique, du cadrage, télé, radio, presse écrite, web. On apprend à tout faire.